Re les amis, bon j'espère que ça va toujours depuis tout à l'heure. Là c'est parti, on passe aux écoutes avec Francesco. Voilà, on va se faire plaisir aux esgourdes. Allez, et j'espère que vous aussi ça va vous plaire les gars. Allez, on balance le son. Donc au niveau des musiques, on va passer un petit peu de tout. Je sais pas trop, là j'ai mis un petit peu une playlist voilà, en stock que j'avais. Donc voilà, si jamais ça, c'est, le son il est pas terrible ou quoi, on changera. Alors c'est parti. Là, on est sur lesquels? Infinity. Va aux infinities avec les vents qui est derrière, parce que forcément ça va réverber sur la pièce, donc ça donne un léger avantage. Voilà, pour bien faire, il aurait fallu mettre les jameaux contre le mur et aussi les surélever un petit peu de sorte à ce qu'on soit à hauteur d'écoute. Bon, vraiment pas de beaucoup là, mes petits ils sont pas adaptés aux jameaux, donc je peux pas les mettre dessus. Donc voilà, on continue. Ça va. Je vais faire un changement. Bien joué.
Chez Infinity, on a quand même le son très live des clips un petit peu qu'on retrouve là, franchement, c'est. On a cette patte sonore. Ah, petit son acoustique comme ça. Toujours sur les Infinity, les gars. Avec Francis à la régie. Sur les coudes là. Hop. Le son est un petit peu plus montant sur les jameaux, mais c'est normal parce qu'elle demande vraiment à être utilisée dans des grands espaces. Enfin, franchement, il faut les mettre dans des grandes pièces. C'est parce que. T'es de près, c'est pas trop le truc. Ouais, c'est mieux de loin, voilà, c'est plus agréable. Après, en dehors du fait que les jameaux. Descendent plus dans le grave, les Infinity ont plus de dynamique par contre. Elles ont une bonne, très bonne dynamique même, je trouve. Ça fait plus haut, on va remarquer encore plus encore au-dessus. Voilà. Là, on a 102 dB avec les Infinity contre 97 pour les jameaux, donc forcément, on essaye d'équilibrer après avec le volume, hein, vous savez. Passage avec les guitares électriques. Regarde, on va se faire un petit changement. Hop. Impact, ouais. Par contre, j'aime beaucoup l'équilibre qu'il y a là dans les sur chaque plan sonore, c'est j'aime beaucoup. Oh là, t'es prêt à courir, mon Francesco? Les Infinity, hein, toujours là. Et là, les gars, je vais augmenter le volume parce que vous voyez la différence de rendement qu'il y a. Ça s'entend direct.
un petit peu de les petites percus. Regarde sur les infinities, on va essayer de remettre. C'est ça qui me, moi c'est ça qui me plaît, les petits bruits de percussion là. C'est vraiment, elles sont très détaillées les Infinity quand même. T'as vu c'est ce grain là. Francesco, au rapport mon chef, au rapport. C'est vrai que le rendement des infinities, on voit bien la différence. Hein. C'est... Le rendement il joue beaucoup. Il joue beaucoup, puis il y a aussi le... Ouais, c'est pas toujours le même style d'écoute. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que chez Infinity, ils ont réussi à te faire un truc un peu. Ils te mettent dans un mood vraiment. C'est super agréable quoi. Tu sais, t'es là, t'écoutes, sans prise de tête. Et. C'est super, super agréable en fait. Les jameaux, pour moi, les jameaux méritent une mise en œuvre beaucoup plus complexe que les Infinity. Avec les jameaux, faut les mettre. Faut que dans la pièce elles soient bien installées, faut les mettre à hauteur. Faut en plus de ça, faut une amplification qui va être, je pense, en adéquation. Elles sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre que les Infinity. Les Infinity, tu leur mets un amplitude et c'est parti. Voilà. Et d'ailleurs je connais des personnes qui ont des Infinity SM155 qui les ont mis avec YouTube et ça marche très bien. Bah notamment toi Roro, si tu passes par là, toi qui as les SM155 155, tu les as mis avec du YouTube et ça marche fortement bien. Qui plus est avec des instrus la gratte, toi qui es passionné de guitare, bah voilà, c'est là-dessus ça coule de source quoi, c'est vraiment dingue. Alors que si on va écouter peut-être des musiques un peu plus modernes, je pense que les jameaux peuvent bien s'en sortir. Après il faut que j'arrive à trouver un petit son moderne, mais on va essayer avec un petit son moderne pour voir. Voilà, on est sur du jazzy hein. Il est bon hein, quand même. J'aime bien cette ampleur. On va aller voir de près. C'est sympa aussi sur les jambes hein, quand même.
C'est sympa, mais je pense qu'elles méritent vraiment, je vous dis les gars, de déjà faut les surélever pour pouvoir mieux les apprécier. Que là nous à hauteur d'oreille, en gros faudrait que le qu'elles soient relevées d'aller de allez 10-15 cm au moins à relever, tu vois. Ah là par contre. Là par contre là-dessus là. Là on va se faire plaisir. Que là les gars, vous allez voir ma grosse tête. Là sur les voix, les Infinity, j'aime beaucoup les Infinity sur la voix là, là-dessus. Vous allez voir, on va faire le changement après. De trouver un petit son qui cogne un peu. Attendez les gars, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Ça c'est quoi ça? Oh, du rock. Ah, ça risque de faire mal. Ah, un petit son, je sais pas si j'ai un petit son électro ou je sais pas quoi. Tiens, un petit son moderne, allez. Allez, les gars, je vous dis. Allez, un petit rap, juste pour voir. But let me tell you what you mean to me. Slide on me for that mean greet. Vibe with me in the moonshine. Sipping moonshine to the new sky. Say you toasted in me gray soap. In the raincoat. Hit the waist quota. I'll be flossing. I'll be locked in. I was lost in. All that territory to a target. Spotting on me. I'll be cautious. Back then I was an adolescent. Then I had a lesson. I'm the man now. I got fans now. I'm on cam now. I got plans now. I'm feeling like you're off. Même à la retraite, on écoute du rap, les gars. Tu vois, c'est ça. Après, on va changer pour voir le. Les Infinity, elles se débrouillent bien quand même. Je sens que c'est un peu sec quand même. Mais elles ont du potentiel. Là après on va changer, je vais mettre sur les jambes. Il va vraiment falloir augmenter le volume pour atteindre le même niveau que les Infinity. Petit changement. I'm really trying to see Tel Aviv. Fuck your elevation. I've been levitated in the preparation. I've been meditated. I've been hella patient. I'm so tired of waiting.
hair, I hate on my day. Y'all niggas from where that crevice be. I've been silent since the less of me. Out here with the scene, really in the field. Niggas on cam now, I got plans now. Finna branch out, grow quick, but never let go of this here. All of that bullshit is in my rear. Hey, losing papers, blowing papers, sweating trainers. Long hair killer in my venom, bitch, I made. Hey, used to play, now I think we major now. She wanna lay me down. I'ma need you to help me all the way down. Ça descend plus, hein. Quand même sur les... Le grave est plus propre. C'est un grave un peu plus rond. Ouais, le rond, et puis même là dans la descente, c'est plus appréciable. Quoi. Ouais. Hop là. C'était une petite écoute sympathique, les gars. Je vous dis, franchement, là, c'est... Bah, on a deux enceintes différentes. Bon, moi, tu connais mon Francesco. J'ai ma préférence pour les Infinity. Voilà, avec... Globalement. Toi, tu te situes où, là? Tu aimes bien les deux? Ouais, j'aime bien les deux parce que... Il y en a une qui n'est pas là, l'adéquation avec la pièce. La Jamo n'est pas avantagée, c'est sûr. Pas avantagée, quoi. Honnêtement, je pense que les Jamo, déjà, on les collerait au mur, on les mettrait au mur. Un petit peu plus surélevé. Bon, voilà, on aurait vraiment un autre son. Voilà, on aurait un autre son. Il faut savoir que le fait de bouger une enceinte, ne serait-ce que des fois de 30-40 cm, ouais. ça joue sur le son déjà. Et même au niveau de l'orientation, parce que là, bah, forcément, vous avez vu le salon, il y a les enceintes derrière, tout ça. Après, faut, de toute façon, chaque enceinte doit être, comment dire, elle doit être mise en place selon aussi certaines préconisations, parce que déjà, dans les notices des enceintes, déjà, vous pouvez avoir un placement des enceintes qui va être où les ingénieurs ont dit il faut placer les enceintes comme ça, il faut les pincer un peu. Des fois, vous allez voir qu'il y a même des enceintes, elles vont être carrément, elles se croisent. En fait, il y a un croisement. Et ça, c'est. L'ingénierie a fait. Des constructeurs, des concepteurs, a fait qu'il faut qu'elles soient positionnées comme ça pour avoir le rendement optimum. Donc là, forcément, on est. Moi, elles sont positionnées comme ça. Bah, pour une écoute, voilà, en 2-2, hein, parce qu'on peut pas. On peut pas tout mettre en œuvre comme on voudrait, mais voilà, ça nous donne un petit aperçu. En tout cas. Sa pièce, ça lui fait beaucoup. Quoi. La pièce, oui, bah, la pièce, vous savez qu'on a du carrelage. Le carrelage, qu'est-ce que je déteste le carrelage. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas ces jameaux-là, c'est vrai qu'esthétiquement, ils font un peu un enceinte de solo. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec l'enceinte solo, parce que ce sont des enceintes hi-fi qui ont cet aspect-là, mais bon. Ouais, bah. Là-bas, ce sont des enceintes hi-fi. De base, ils les ont sortis pour l'hi-fi. Ouais. Un petit peu comme. Un petit peu d'ailleurs, comme j'ai envie de dire, comme les Serwin Vega que j'ai dans la chambre, vous savez, les Serwin Vega. Serwin Vega, on les associe à de la sono parce que, bah voilà, les haut-parleurs pour faire du grave, pour faire vibrer la baraque et compagnie. Mais Serwin Vega avait aussi fait des enceintes hi-fi. D'ailleurs, à l'époque, les Serwin Vega AT100. D'époque, et même les XLS15 que j'ai dans la chambre là-bas, c'était des enceintes faites pour la hi-fi et non pour la sono. Donc c'est vrai que ça, souvent les gens font l'amalgame en disant ouais, c'est des enceintes de sono. Non, c'est pas des enceintes de sono puisqu'elles ont été faites pour la hi-fi. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo là vous a plu. Et puis bah vous voyez, j'étais avec tonton Francesco, ça fait plaisir. On va essayer de se faire une petite écoute avec les SM255. Je vous promets rien parce que hein, on sait jamais, à tout moment on peut devoir couper la vidéo. Donc voilà les gars, bon bah en tout cas on vous dit sûrement à tout de suite, et puis likez, abonnez-vous, hein, je cesserai de le dire. Francesco, tu veux dire quoi toi? Bah, que tout le monde se régale déjà aux écoutes. Voilà, c'est une bonne régalade, voilà. Nous déjà, tu vois, on s'est pas vu, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu pour faire des vidéos, enfin même de se voir pour faire des écoutes. Bah, ça fait un bout de temps maintenant. Ça fait peut-être 5-6 mois, ou je sais pas. Bah, oui, c'est, au moins. Toi, c'est un peu manque de temps dû à ton travail. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Mais ne serait-ce que de prendre ce petit temps-là pour faire des écoutes,
Je vous dis, c'est un régal total et on a envie que ça, bah, que ce soit plus souvent, tu vois. Vraiment plus souvent, voilà. C'est pas toujours évident, mais bon. Mais on y arrive. Dans tous les cas, il faut se donner les moyens. Voilà les gars. Bon allez, ciao, ciao, bisous à tous et prenez soin de vous. Ciao.